You can actually say it. Yes. Ashley! Look at me! Hello! Hello! Yes. Finally! Well, welcome. Good. Hi, how are you? Hello. Wir sind sehr glücklich, weil wir auch schon sehr, sehr lange an ihm dran sind und ihn auch von der Eintracht relativ schnell überzeugen konnten. Und es ist ein Spieler, der gerade auch nach dem Abgang von Jesper Lindström uns sehr, sehr gut tut. Und wir sind natürlich extrem froh, dass er jetzt bei uns ist. Welche Qualitäten bringt Faris mit, die wir jetzt brauchen, gerade nach dem Abgang von Jesper? Er ist ein sehr, sehr vielseitiger Offensivspieler, der sowohl auf der 8, auf der 10 spielen kann, der auch als zweite Spitze spielen kann, der sehr torgefährlich auch ist, der technisch sehr gut ist, sehr robust ist, auch schon für sein Alter. Und von daher sind wir natürlich sehr froh. But it's easy, like, look at me. Okay, one more time. You two, I'm Faris. I'm proud to be an Eagle. See you in the stadium. Faris, herzlich willkommen in Frankfurt. Sag uns doch zu Beginn einmal, wie wird dein Name richtig ausgesprochen? Faris Chaibi. Was waren die Gründe, warum du dich für Frankfurt entschieden hast? Bah, en premier point, ça a été le premier club qui m'a démarché, qui est venu vers moi et qui a montré qu'il voulait vraiment me recruter. Ensuite, j'ai pris du recul et j'ai fait des plans pour ma carrière et j'ai décidé que Francfort c'était une bonne étape pour la suite de ma carrière, un bon tremplin pour aller chercher plus haut. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Faris, erzähl uns auch mal ein bisschen was über dich. Was bist du für ein Spielertyp? Bah, je suis un joueur qui donne beaucoup sur le terrain, qui court beaucoup. Après j'ai un profil plutôt polyvalent. Je peux jouer un peu de partout dans les postes offensifs, à gauche. J'ai joué de partout l'année dernière dans mon club. J'ai joué même en pointe des fois, à gauche, au milieu, en 10. Et ouais, je suis un joueur, comme j'ai dit, qui donne beaucoup. Et je pense que j'ai une très bonne qualité technique. Et c'est ce qui fait que mes coéquipiers sur le terrain, ils peuvent compter sur moi, je pense. Du hast schon angesprochen, dass es für dich so der nächste Schritt sein soll. Welche Ziele hast du dir persönlich gesetzt für dich, aber auch mit der Mannschaft zusammen? Je me mets pas de limite. C'est d'aller tout le temps gagner tous les matchs et d'aller le plus haut possible au classement championnat et si on joue des Coupes d'Europe, de jouer pour la gagner. Donc moi je ne me mets pas de limite et je sais qu'on en est capable et on va tout faire pour. Du hast Frankfurt ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen verfolgt. Was ist dir so besonders gut aufgefallen und was hat dir sehr gefallen? Je connaissais le club avant. J'ai connu le club, sans mentir, quand je le connaissais, mais j'ai commencé à regarder quand ils ont gagné la Coupe d'Europe. Et moi, à cette époque-là, j'étais même pas encore professionnel. Donc c'est là où j'ai connu le club. Après, oui, l'année dernière, c'était sûr, au moment où je suis venu visiter, où je savais qu'il y avait vraiment la possibilité que je vienne ici cette année. J'ai commencé à suivre les résultats et tout. L'année dernière, ils ont fait une bonne saison. Dommage qu'ils n'ont pas tenu jusqu'à la fin. Mais ça reste une bonne saison et voilà. Thank you.
Yeah, let's come from here. Outside. Tu peux prendre à chaque fois. Ici, c'est des radler. Ici, c'est des caleçons. Ici, il y a des leggings. Des leggings dünnes. Ah, c'est clair. La bringing jacke. C'est particulier. Il est grand le truc, le vélo. Il est balèze. Vas-y toi, qui est obligé après, Zama, tu... Zama, attends, Zama, tu veux tout casser les 4 ans et aller en petit peu quand tu dors, j'aime bien. Ein bisschen mehr in den Raum zurück rein.